Encore très éprouvé, le rabbin de Rouen accepte de nous montrer l'intérieur de la synagogue durement touchée par les flammes. C'est inutilisable. C'est ici que je fais les offices tous les Shabbats. On sait que l'antisémitisme est partout, mais on n'est jamais prêt, c'est dur. Il est un peu moins de 7 heures ce matin lorsqu'un homme monte sur le toit de la synagogue et s'en prend au lieu de culte. Donc la personne a jeté le cocktail Molotov apparemment par la fenêtre. Donc toute la partie ici a été brûlée. Tout est devenu de la cendre. Donc ça fait beaucoup de peine. Lorsque les policiers interviennent, l'homme est toujours sur le toit, armé, et tente de s'en prendre à eux. Celui-ci jette en leur direction la barre de fer, qui s'avérera être un burin de perforateur, puis saute du toit et se dirige en courant vers un policier en le menaçant du couteau qu'il porte. Après plusieurs sommations restées sans réponse, le policier fait feu à 5 reprises et abat l'individu toujours menaçant. Si les forces de police, qui font un travail remarquable, ne neutralisent pas ce mec-là, la synagogue brûle. On est en 2024. C'est quoi, c'est la prochaine étape, c'est les pogroms en France. Bien au-delà de la communauté juive, de nombreux habitants de Rouen font part de leur effroi. Je suis révolté, ça rappelle de sales souvenirs, que j'ai pas vécu bien sûr, quoi, mais je trouve ça atterrant. Je suis furieuse. S'attaquer à un lieu de culte, c'est pas possible. Hein. Je viens soutenir... population qui est visée, je comprends pas. Des actes antisémites qui explosent en France depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël et une inquiétude qui grandit. Je crois que c'est partout en Europe et l'antisémitisme monte, on le voit bien. Je suis pas juif, mais quand on s'en prend à une personne de religion juive, on s'en prend à toute la République. Le policier de 25 ans qui a neutralisé l'assaillant sera décoré prochainement.